Salut tout le monde, je suis Jimmy Falcone, un ancien mafieux de New York réformé en plouc de banlieue qui vit maintenant sous un autre nom au Canada. Ça n'a pas été facile d'abandonner notre ancienne vie. On était habitués à une certaine façon de faire, à une certaine apparence, puis surtout, à un certain parler. Fait que j'y ai dit, abadaboum badabing, puis il répond, c'est quoi ton problème, Stougaz? Ah, s'il vous plaît, plus vite vous apprenez à parler canadien, plus vite vous serez relocalisé. Attends une minute, il n'y a pas de fromage américain au Canada? Il y en a, mais c'est du fromage fondu. Ça a-tu quand même un goût de marde? Ouais, en général, ouais. Y a pas de cahier ligné là-bas? Comment je vais faire pour copier les notes des autres? Y a des cahiers Canada, mais je te conseille d'étudier plus. C'est drôle. Attends une minute. Je vois là qu'un mélangeur, il appelle ça un malaxeur. Ouais. Ça sonne sexy. Tu vas pas me faire croire qu'il y a pas de bacon canadien au Canada? Il appelle ça du bacon de dos. Ça vient du dos du cochon? Je pensais que ça venait plutôt des fesses. Ça irait bien avec le fromage de cul. Moi, j'ai une question. Il dit-tu un cambriolage ou un hold-up? Bon, Yann, c'est pas difficile. Une voiture, c'est un char, puis le lait entier. Mais non, ça se peut pas. Ça dit que ça s'appelle du lait homo. Ah, c'est quoi, ce pays-là? Non, mais faut-tu être tordu? C'est qui a la job de traire les homos? Fait qu'on n'a pas eu le choix d'apprendre cette langue de fou-là avant de déménager à Vagina. Regina! Saskatchewan, où j'essaie de m'habituer à parlure canadienne. Mais si vous pensez qu'à cette heure qu'on vit au nord de la frontière, on va se mettre à boire du lait homo, faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le Clagambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans leur mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presto, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas le choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il vend tous ses amis et se cache en Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. J'ai réussi! J'ai enfin recréé l'univers! Ça aura valu la peine de passer mes vendredis soirs à faire des maths puis laisser mes muscles s'atrophier. C'est l'heure de découvrir une bonne fois pour toutes la vraie nature de notre monde. Qu'est-ce que tu fais avec mes chaussures? Hey! Tes souliers sont pas là-dedans, ils sont dans tes pieds! Je sais, voyons! Mais c'est là-dedans qu'ils dorment! Pis s'il y a pas de souliers dedans, pourquoi tu tiens tant à une boîte de carton brun? Parce qu'à l'intérieur de la boîte, tu vas trouver une réplique exacte de toute l'existence. En un clin d'œil, tu vas enfin comprendre les mystères de la création et ainsi découvrir le vrai sens de la vie. Ouais, c'est le fun pour toi. Remets-la dans ma chambre quand t'as fini. Attention, c'est le moment de vérité. Attache ta tuque, Stephen Hawking. C'est extraordinaire! Le vide qui s'étend à l'infini! Je savais que ce serait ça, mais c'est tellement vaste! Je suis qu'une poussière! Notre planète est qu'une poussière! Je suis une poussière sur une poussière sur une poussière! Au moins, t'as des jambes. Des spaghettis sauce bolognaise, un verre de Chianti, un peu d'antipasti et badabing! Ce raton-là est fait à l'os! Pourquoi tu gaspilles des bonnes pâtes, hein, qu'elle l'étrangler? Jimmy, faut que tu caches le piège. Tu sais que Pete capote quand on tue des animaux. Il va dire c'est inhumain de les massacrer pour le plaisir. Cookie, faut qu'il comprenne. On est au sommet de la chaîne alimentaire grâce à plusieurs siècles d'évolution. Avant de te fâcher contre moi, laisse-moi te dire que la bestiole l'a cherché. Personne mange mes géraniums, OK? Je suis un homme puis je tue des affaires. Qu'est-ce que ça peut faire qu'un petit raton laveur crève alors que l'univers est infini, le progrès humain inutile et la vie insignifiante? Totalement insignifiante. Qu'est-ce qu'il prend? Il a rien dit pour me faire sentir coupable. Puis ça me fait sentir encore plus coupable. Je vais juste prendre deux petits pois parce que j'ai bu un grand verre d'eau pour dîner. Pourquoi? La bouffe remplira pas le vide. Oh, Pete, mange, bon Yann. Il y a des enfants qui meurent de faim juste à côté de toi. Puis après, on est juste des grains de poussière sans la moindre raison de vivre. Wow, sans raison de vivre? T'oublies le gros chèque qu'on donne quand tu gagnes la loto? Ça, c'est une bonne raison de vivre. Ou un sac Fendi puis du crédit. Ou se gratter les parties qui piquent au max. Tu dis ça parce que t'as jamais eu la chance d'admirer puis de caresser le beau petit cul tout lisse de... Ah! D'un char! J'allais dire d'un char. Puis ta famille, Pete, c'est pas une bonne raison de vivre? Puis t'es mieux de dire oui, ben je te tranche. C'est premier. Que Dieu ait pitié de ton âme, Pietro Rizzuto Falcone. Bien essayé, mais Dieu n'existe pas. Quoi?
Moi, j'ai vu l'univers qui nous entoure, puis c'est rien que le vide qui se prolonge à l'infini. Dieu a quitté le bâtiment. Oh! S'il a le droit de se lever, moi aussi, je devrais avoir le droit. Hein, je peux-tu y aller, maman? Moi, je viens d'y aller. Non, il en reste. Ah, c'est tout chaud. Ah, le jeune Pietro qui s'amuse en frappant les canettes plutôt que de les ramasser. Ça me rappelle des souvenirs. Mon père était porté sur la canette. N'oublie pas de la mettre au recyclage. À quoi ça sert? On n'est rien de plus que des molécules. Ah, le nihilisme, le cousin rebelle de l'existentialisme. Mais tu es libre de croire ce que tu veux, alors tout ce que je peux te dire, c'est recycle ou paye une amende. Vive le Canada, où tous les jours, c'est le jour de la Terre! Entrez! Cheech, je peux te parler? Je suis inquiet pour mon fils. Je sais pas c'est quoi son problème, puis je sais pas c'est quoi mon problème de soudainement m'intéresser à ses problèmes. Jimmy, je te dis la même chose chaque fois que tu t'inquiètes pour lui. Donne-y de l'alcool puis des filles, il va découvrir le sens de la vie. Je pense pas que c'est ça, être un bon parent, Cheech. Te rappelles-tu ta première fois? Tu parles. Elle s'appelait Sharon, puis elle avait un vrai corps de déesse. Elle avait besoin d'aide pour changer un pneu, puis elle a baissé tes culottes, puis t'as fait vivre un grand moment de ta vie. Comment tu le sais? C'était rien qu'une pute! Ah, pas une pute, salope! Une prostituée! Quoi? Ton père l'a payé. Il m'a tout raconté. T'étais un ado bouboule qui aimait les comédies musicales. Fallait qu'il te replace. C'est vrai. J'ai plus jamais réécouté La maladie du bonheur. J'arrive pas à le croire, Cheech. Je repense souvent cette journée-là avec Sharon, vraiment souvent. J'ai passé hier soir avec Cookie, mais pas juste au sexe. À comment je l'ai creusée, comment je l'ai séduite. Ça m'a donné la confiance de faire tout plein d'autres affaires. Non, Jimmy, tu vas pas te... Père, dis pourquoi une telle trahison? Sharon, tu le faisais pour de pognon! Tu chantes une note de plus, puis je te jure, je vais mettre fin à tes souffrances. 5 Marie, moi. Je sais plus quoi faire. Mon fils, mon garçon adoré, va brûler en enfer pour l'éternité parce qu'il croit pas en Dieu. S'il y a pas de Dieu, qui c'est qui m'a mis enceinte? Allô? J'ai besoin de ton aide. C'est mon unique fils. Et que nos fils sont ingrats. Le mien n'a aucun respect pour moi. Il m'a préféré son père. Ah, oh, c'est sûr, son père avait un appartement de luxe dans le ciel. Marie, peux-tu revenir à moi? Après, il a commencé à traîner avec la gang d'apôtres, puis il a littéralement laissé sa peau. Puis pourquoi? Tu veux-tu même le dire? L'humanité? Puis, cette gang d'égoïstes-là. Moi, je voulais qu'il étudie en médecine, mais lui, il voulait devenir charpentier. Il aurait pu être docteur Chris, maudit calvaire. Mais non, il préférait faire des chaises. Ah, je suis tellement déçue de mon fils. Écoute, Marie, on parlait de Pietro. Tu veux dire Pierre? C'était pas un saint, laisse-moi te le dire. Il s'est essayé sous moi à la barre mitzvah de Jésus. Il a toujours aimé les femmes plus vieilles. Quasiment personne le sait, mais c'est moi la toute première milf. Je parlais plutôt de mon garçon, Pietro. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils se remettent à croire en Dieu? OK, relax. Voilà ce que tu vas faire. Dis au petit de prier pour quelque chose. Moi, je vais appeler l'ex pour qu'il l'exauce. Tu ferais ça pour moi? Oh, merci beaucoup, Marie. Y a pas de quoi. Faut juste que j'aille imprimer ma face sur une toast à Sainte-Anne-des-Plaines, puis après, je suis libre comme l'air. C'est l'heure d'aller à l'église. Dépêchez-vous! Santa Madonna, Jimmy, je vis au Canada depuis 6 mois. Qu'est-ce que tu veux que j'ai comme fesse? Comme vous le savez, je me joindrai pas à vous pour prier un dieu inexistant. Pas de problème. Hey, si lui peut rester, pourquoi moi je pourrais pas? Faut que tout le monde sorte de la maison. Pete le sait pas, mais j'ai engagé une fille, puis elle va arriver bientôt. Je pensais que t'étais fâché que ton père ait payé une pute. Oui, mais j'ai pensé à ça en prenant ma douche, puis j'ai changé d'idée. L'église, c'est pour les tweets. Non, c'est le fun! J'adore ça aller dans le confessionnal, puis faire rougir le prêtre. Moi, j'aime ça y aller pour y donner un coup de pied dans les chenolles. Mais pas toutes les semaines. Mon grand, j'essaie de comprendre puis d'accepter le fait que tu crois pas en Dieu. Est-ce que ça veut dire que t'as annulé l'exorcisme? Non, j'ai déjà payé le traiteur. Fais juste une chose pour moi. Fais une seule prière. Si Dieu te répond pas, je t'acharnerai plus jamais avec ça, là. Fais donc plaisir à la femme qui t'a donné la vie pour pas qu'elle soit obligée de te la prendre. Faut vraiment qu'elle soit naïve pour croire qu'il suffit simplement que je me mette à genoux, que je colle mes mains ensemble, puis que je dise « Je prie pour qu'une jolie fille vienne sonner à ma porte aujourd'hui pour que ça se produise. » La religion, c'est rien de plus qu'un gros pansement à la plaie de la vie. Salut. Mon char est en panne, puis mon sel est mort. Je peux utiliser ton téléphone? J'en crois pas mes yeux. Dieu existe pour vrai!
Puis en plus, il a les mêmes goûts que moi. Non, ça me fait rien d'attendre la dépanneuse. Je me trouve chez un gars super mignon, puis ses parents sont pas à maison. Comment est-ce possible? J'étais certain qu'il y avait que le néant, puis soudain, elle est apparue. Dieu s'est manifesté! La dépanneuse va être ici dans une heure. Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire pour tuer le temps? C'est vraiment merveilleux. Attends une seconde, il faut que je dise merci. Merci! Maintenant, c'est à moi de te remercier pour m'avoir permis d'attendre chez vous. Merci encore! Je peux pas! Je dois rejeter le péché! OK. Fait que... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pendant 57 minutes? Fessier! Mot compte triple! T'as un excellent vocabulaire, toi! J'aime beaucoup la littérature érotique du 18e siècle. Brenda, t'es merveilleuse! T'es la joueuse la plus fascinante que j'ai jamais connue! J'ai hâte de voir c'est quoi le prochain mot exotique que tu vas placer. Oh! J'ai pas fini. Excellent. Fellation. 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 10. Plus mot compte double, ça fait 20 et... Bon, ben, il faut que je parte. Me semblait que t'attendais à la dépanneuse. Ça leur prend trop de temps. Je vais l'amener à station-service. D'abord, pourquoi t'as... Chut, tu poses trop de questions. Ben, est-ce que je peux te revoir? Bien sûr. Je suis libre de 5 à 6 demain ou je peux te faire une petite vite à 8 heures moins quart. Je vais prendre les deux. Merci, mon Dieu! Hey, c'est quoi ce grand sourire-là? Je pensais que la vie, ça valait pas de la marde. Il s'est produit une affaire débile, pas. J'ai prié Dieu pour qu'une belle fille vienne frapper à ma porte, puis soudain, elle est arrivée. C'est un miracle. Là, je connais bien mon gars. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est évident, me semble. J'ai eu une illumination. Parle-moi de ça. On a joué au Scrabble, on a parlé, puis on s'est regardé dans les yeux, on a discuté encore un peu, puis après, elle s'est en allée. Bâtard, si tu demandes à Dieu un poney, puis qu'il t'en envoie un, c'est pour le monter, c'est pas pour jouer à des jeux de société. Pas, je me suis jamais senti comme ça de toute ma vie. En fin de semaine, je l'amène à un pique-nique dominical, puis à une chasse au trésor, puis pour finir, on va regarder le retour du roi version intégrale. 13 longues heures de bonheur platonique. 13 heures, ça n'a pas de bon sens. À un tarif de 1000$ de l'heure, ça fait... Fuck! J'ai une terrible nouvelle, Jimmy. Hier, j'ai remarqué une voiture stationnée devant chez vous. J'ai vérifié la plaque et alors, j'ai découvert qu'elle appartient à une prostituée. Quoi? Une prostituée n'a pas le droit de parquer son char? Elle a frappé à votre porte. Une prostituée peut pas frapper une porte? Ensuite, elle est entrée alors que Pete était seul. Une prostituée peut pas racoler mon fils? OK, ça, je te l'accorde. Racoler des clients est illégal, Jimmy, et cela contrevient aux règles. OK, ma cool, je t'explique. Oui, j'ai engagé une fille pour mon gars, mais il est rien arrivé. J'ai du mal à le croire, Jimmy. L'as-tu déjà vu, mon fils? Je vous crois. Vive le Canada, là où le plus vieux métier est toujours celui de bûcheron! Hey, où est-ce qu'il habite? Que la Sainte Vierge soit louée, il passe toutes ses journées à l'église. Je ne sais pas quel genre de racket il a mis sur pied, mais je vous jure que je vais jouer du coude pour avoir ma part. T'as pas besoin de jouer du coude pour entrer dans la maison de Dieu, Gina. Il est toujours prêt à t'accueillir dans son cœur. Quoi? T'es-tu rentré dans une secte qui n'a pas d'électricité? J'ai trouvé ma vocation, puis ça s'appelle servir le Seigneur. Quelle bonne nouvelle! On va dire le bénédicité. Allez tous, donnez-vous la main. Coquillon, peux-tu changer de place? Je veux pas donner la main à un gars. Seigneur, Dieu notre Père est sauveur de tous les hommes, excepté les hommes qui aiment les hommes. Je t'en prie, fais pleuvoir ton amour doré sur nos têtes. Lave les membres de ma famille de tous leurs péchés. Je le sais que c'est beaucoup demandé, surtout que ma sœur s'allonge devant n'importe qui a deux mains, que mon oncle est un vieux dégénéré, puis que je suis pas mal sûr que ma mère se foutait à poil pour une poignée de petits changes. Qu'est-ce que tu dis là, Pietro? OK, à moi, cette heure. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-lui d'avoir enfreint le cinquième commandement en n'honorant pas sa mère, puis de se comporter comme un trou de cul. Amen. C'est rien que des mots, maman. Tu devrais garder tes insultes pour Teresa qui se pavane dans la rue à manger comme une véritable Jézabel. C'est qui Jézabel? Je suis sûre qu'elle est grosse. Écoute, Pete, faut que tu comprennes comment ça fonctionne, la religion.
Je suis vraiment très curieux d'entendre ce que toi, t'as à m'apprendre sur la piété. C'est vrai que tu fais pitié, mais c'est pas de ça qu'on parle. Quand on est un catholique romain de New York, voici les règles. Tous les jours, sauf le dimanche, tu fais tout ce que tu veux, sauf manquer de respect à ta sainte mère. Au! Pourquoi tu m'as frappé? Mais voyons, t'as pas lu la Bible? Œil pour dent, dent pour œil. Fait qu'arrête de dire à Dieu que je suis une salope. Pourquoi tu me frappes, toi? Je pensais que c'était chacun notre tour. Il y a juste une personne qui me comprend réellement. Brenda! Viens plus près de moi. Wow! Ici? Oui, j'en peux plus. L'envie est trop forte. C'est ton argent. Je veux qu'on prie. Que Dieu te protège, ma douce. Ouais, comme tu dis. Bonne soirée. Hey! Comment c'était? Merveilleux! Aujourd'hui, on a baptisé 3 Juifs. On les avait ligotés, mais quand même. L'avez-vous faite? Ils me touchent même pas. Puis j'ai tout essayé. J'y ai bien montré ma craque de sein pendant la communion, j'ai mangé une banane pendant la messe, puis j'ai texté des photos de Manon pendant la 10e station du chemin de croix. Il a cru que c'était une peinture de l'Arche de Noé. Et que j'ai honte, c'est pas croyable. Faut pas. Ou... faut peut-être. Sincèrement, j'en ai rien à chier. Maudite merde! Elle a oublié d'étamper ma carte! Pete, je peux te parler une petite minute? Je suis occupé. Je fabrique un diorama de l'enlèvement pour Brenda. Ça, c'est nous deux qui montons au ciel pendant que le reste de la planète brûle en enfer. Écoute, fiston, faut que je t'avoue quelque chose. J'ai fait de quoi pour toi? J'aurais peut-être pas dû, mais mon vieux l'a fait pour moi, puis je voulais juste t'aider. Jésus-Christ va voir tes bonnes intentions, même si aucun être humain les voit. Tu vois, Brenda est pas exactement la fille que tu crois, c'est en fait une étudiante que j'ai engagée pour, tu sais, va dire, te faire des choses agréables. Qu'est-ce que t'entends par engagée? Voyons, c'est ridicule, elle-même. Te demandes-tu si t'es un bœuf? Tous les jours. Puis moi, j'y demande si elle est un beau petit lapin. Est-ce que vos rendez-vous durent toujours 1 heure? Oui, puis après, c'est une fille organisée. Qu'est-ce que ça prouve? Est-ce que bien des hommes la reconnaissent dans la rue? Elle vient d'une grosse famille, puis elle a beaucoup d'hommes qui a mis donner une claque ses fesses. Ça veut rien dire. C'est une prostituée. Quoi? Elle m'a même pas embrassée. Tu confirmes ce que je dis. Tu m'écœures. Pourquoi tu gâches toujours tout? Tu fais-tu exprès? Pour une fois, tu pourrais pas me laisser jouir de ma vie. C'est justement pour ça que j'ai payé une pute. C'est peut-être pas le bon moment de lui dire que j'ai pris l'argent de ses études. Mon père raconte n'importe quoi. Brenda est pas une prostituée. Je refuse de croire ce qu'il me dit. Ça prouve absolument rien. Faut que tu payes pour coucher avec moi. Ah, Chris! Papa, je peux-tu te parler une minute? Bien sûr, princesse. Quelque chose te tracasse? Mais... mettons qu'on parle pour parler, là. Si t'étais en train d'extorquer quelqu'un puis qu'un policier faisait son smap puis qu'il voulait t'extorquer toi, tu ferais quoi, au juste? Ah, Gina, je t'ai tout expliqué ça, maternelle. Faut toujours payer la police avant les autres. Quoi? Tu lui donnerais ce qu'il veut? Ouais. Acheter un bœuf, c'est pas un crime. Ben, c'en est un, mais tu me comprends. C'est ça, le prix à payer. Mais je peux pas lui donner ce qu'il veut à ce maudit parasite-là. Il est super gourmand. Ça va me coûter une vraie fortune. Hypothétiquement, bien sûr. Ah, mon petit Cannelloni, dans cette situation-là, il faut que tu le frappes ou ça fait mal. T'as pas d'autre choix. Faut que je le frappe des rotules, hein? Les rotules, t'es trop mignonne, ma belle. Ces petites rotules-là. Ces petites rotules-là. Arrête. Gina, il faut que je parle à Pat tout seul. OK. Toi, oublie surtout pas ce que je t'ai dit. Fiston, t'apportes la bonne parole. Ben, papa, je voulais juste te dire que je te pardonne. Je le sais que tu voulais m'aider en engageant Brenda. Merci. Puis je suis vraiment désolé que ça ait foiré avec ta copine Gadaille. Papa, en tout, j'haïs le péché, mais j'aime toujours autant la pécheresse. Je vais sauver Brenda! OK, mais dépasse pas 1 heure! Lorsque Chaucer a dit « Ahoy », voulait-il réellement dire « Ahoy »? Brenda!
Non, Dacia, qu'est-ce que vous faites? Brenda! T'as pas besoin de vendre ton corps à des vieux pets. Je vais te donner tout ce qu'il te faut. Brenda! Mon cher, il n'y a pas de Brenda dans ce cours. Bien sûr, je la vois en haut. Sixième, non, septième rangée. Un, deux, trois, quatre, cinquième siège. La prostituée. Allez, Brenda, lève ta main. Veux-tu bien me dire ce que tu fais ici? Je veux te sauver, ma douce. Je le sais que t'es une pute, puis je m'en fous. Notre relation est plus solide que la chaîne la plus solide du monde. Premièrement, mon nom, c'est Stella. Deuxièmement, tu comprends rien, t'es dans le champ. On n'a jamais été un couple. J'étais payée. Tu penses que j'aimais ça, aller à l'église avec toi? Franchement, je suis une escorte. Stella, qu'est-ce que tu dis là? On a passé plein de temps ensemble. Veux-tu dire que ça t'a rien apporté? Non, ça a rapporté 1000 piastres de l'heure. Mais le temps que je perds ici avec toi, il me rapporte rien. Excuse-moi, mais pourrais-tu enlever... Fuck you! Ça va, Ticu? Essaie pas de me remonter le moral parce que ça marchera pas. La science m'a déçu, la religion aussi. Y a aucune réponse à mes questions. La vie, c'est nul. Pete, écoute, je me souviens de moi quand j'avais 15 ans. C'était loin d'être facile. J'étais obèse, boutonneux, j'avais les mains pleines de pouces. Mais tu vas voir, ça finit par aller mieux. Comment tu peux en être si sûr? Parce que c'est ton heure. C'est l'ère des nerds. Puis c'est qui le plus grand nerd du monde? Toi, y a pas de doute. Un jour, tu vas inventer un super bidule informatique. Puis du jour au lendemain, tu vas nager d'un pitoune asiatique. C'est vrai? Je te mentirais-tu? En fait, tu m'as menti toute la semaine. C'est vraiment un petit vite, mon gars. Savais-tu que je suis en train de concevoir une puce pour améliorer la mémoire? J'obtiens 60 % d'augmentation avec seulement 20 % de risque de mourir. Je vais t'en prendre une. Je vais peut-être même t'en acheter deux. Puis sais-tu qui en aurait vraiment besoin? Chose binouche, là. Tu sais qui je veux dire? Le gars qu'on a vu, je me souviens plus où. On peut dire que c'est un moment jouissif, hein, papa? Non! Tu comprends pas partout ce que jouir veut dire. La 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 la